retour avec Amine Ayoub et Monsieur Youn Lebeau qui vont revenir avec nous sur l'extraordinaire prestation d'Amine qui a, on va le dire, carrément mis TKO son adversaire par ce formidable crochet. Un truc qui a surpris la salle. Raconte-nous tout ce combat. Alors le combat, il a commencé donc debout. On savait qu'il rentrait très rectiligne, donc en gauche-droite. Au départ, j'en ai fait un peu à ma tête, j'ai voulu boxer à ma façon. Après, j'ai écouté mon coach, m'a dit plutôt de décaler, le surprendre en fait. Donc à un moment, j'ai tiré un coup de pied retourné. On arrive au sol tous les deux, je sais pas comment. On se prend en clé de talon tous les deux. Lui, il n'arrive pas à la saisir. Moi, j'arrive à la saisir. J'entends son genou qui craque en fait, donc je me dis ça va être fini, il a mal, il ne va pas continuer. Du coup le gars très guerrier, Gangan, il continue, donc le combat il repart debout. Et là je me suis dit je peux pas continuer comme le début du combat, donc j'ai écouté mon coach, et j'ai attendu qu'il lance son jab, parce qu'il lançait souvent gauche-droite, et je l'ai sauvé sur un cross en fait, et puis c'est pas relevé. En tout cas, magnifique victoire, qui en a fait je pense d'autres. Hein. Bien sûr. On va te revoir la saison prochaine, je pense. Voilà, ça y est, fin de saison, c'était un combat pour nous, donc voilà, ça va faire du bien. On a fait une bonne saison et puis on attend la suite, quoi. La suite au mois d'octobre, Big Down à Bruxelles. On a déjà eu un petit contact, donc je pense que d'ici quelques mois, on va avoir la confirmation et puis certainement le nom du futur adversaire. Donc là, très bonne fin de saison, là il va faire sa petite retraite spirituelle avec le Ramadan, il va se reposer, bien reposer la machine et puis une fois que c'est fini, un petit peu de vacances au soleil et puis on attaque pour être prêt en octobre. La saison, voilà. Écoutez, on attend tout le meilleur pour la suite maintenant. Hein. Ouais. Félicitations encore pour cette magnifique victoire et puis à très bientôt Amine. Merci à toi. À très bientôt Youn. Merci. Ciao.